Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan, je travaille dans un laboratoire très expérimenté pour l'étude comportementaliste des animaux, notamment les chats, les poils sur la mousse de mon micro en justifie. Et vous vous demandez très certainement pourquoi ai-je revêti ma blouse de scientifique. Je viens de vous le dire. Aujourd'hui, nous allons mener une étude très sérieuse sur le comportement des chats, notamment leur intelligence. On va tester l'intelligence des chats en général, plus particulièrement mon chat. Plagiat Squeezie ! Je sais, c'est pour ça que je vous ai devancé en le marquant dans le titre. Malin le lynx. Bien que Squeezie l'ait fait sur son chien et pas sur son chat, on est d'accord qu'on part sur le même concept. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire. Je suis certain que mon chat est très intelligent. Je vais même vous dire un petit truc. Quand il miaule, parfois, j'ai l'impression que je sais ce qu'il me demande. C'est complètement dingue, vous allez me dire, mais je vous assure que c'est la vérité. Si vous-même, vous avez des animaux, je suis persuadé que vous les comprenez. Ou alors vous devenez timbré comme moi. Que ce soit des chats, des chiens, des hamsters, des poissons. Les poissons, c'est peut-être un petit peu plus chaud. Mais moi, je le comprends, le mien. Et oui, je vous assure, des fois, j'observe mon poisson à travers son aquarium. Il me fait des... Ça veut dire qu'il se fait chier. S'il vous plaît, veuillez encourager Nasco dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like pour lui sous la vidéo, ainsi que moi-même. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Bon, Nasco, t'es prêt? Regardez comment il me regarde. T'es prêt à montrer aux abonnés? Oui, bah là, il veut que je le lâche. Là, il en a rien à foutre. Bon, par contre, les gars, les filles, je compte sur vous. Vous me faites péter minimum les 2000 likes sur la vidéo. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Nasco, mais c'est fini, oui? On n'a pas encore commencé le test. 2 secondes. Oui, j'arrive, mon chat. Ah bah je sais pourquoi qu'il miaule. Il a vu un autre chat. T'as vu ton copain? Oui, t'as vu ton petit copain? Bah oui, t'as vu ton copain. Je suis complètement gaga, moi, c'est un truc de fou. Vous pouvez l'acheter vos jeux moins chers sur G2A. Le lien, il est dans la description. Hein? Premier exercice. Cet exercice vous permettra de voir si votre chat sait répondre à un ordre simple et réagir rapidement. Un jeu d'enfant. Appelez votre chat pour le repas comme vous avez l'habitude de l'appeler. S'il vient vous voir dans les 30 secondes, vous gagnez 2 points. S'il vient dans la minute, vous gagnez 1 point. S'il ne vient pas, 0 point. Ça, c'est 2 points donnés. Asco ! Bon, bizarre. Tiens. Oui, bah oui, mon chat. Il n'en a rien à foutre des croquettes. Je vous le dis direct, ça, c'est... C'est pas le truc qu'il préfère, on va dire. Allez, bah t'en as rien à foutre des croquettes, t'as raison. Sa gamelle, elle est pleine de l'autre côté. Bon, on va pas se mentir, c'était 2 points donnés. En même temps, quel chat ne viendrait pas lorsque tu lui présentes sa gamelle? Exercice numéro 2. Cet exercice permet de tester si votre chat arrive à réfléchir suffisamment pour se sortir de situations inconfortables. Recouvrez la tête de votre chat d'une serviette. S'il s'en débarrasse en 30 secondes, 3 points. En moins de 2 minutes, 2 points. S'il essaye mais n'y arrive pas, 1 point. S'il essaye pas, 0 point. Je veux pas croire qu'il essaye même pas, quoi. Il va forcément sortir de là. Ça, c'est encore 3 points donnés pour mon chat. Situation extrêmement simple pour Nasco, vous allez voir. Allez. Il a mis... Il a mis une seconde. Bon, attendez, on va recommencer. On va recommencer. Nasco, viens. Viens, t'es trop rapide, mon chat. T'es trop intelligent, toi. On recommence pour voir si c'était de la chance. Attends, Nasco. Attends, mais il se barre déjà. Viens. Tiens, t'es trop... Hey, tu... Oh, je vais aller chercher ses friandises. Et ça dort. Vous allez voir. Regardez, avec ça, impossible qu'il résiste. Nasco, viens, regarde. Oui, ah bah oui, je sais que tu les adores, ceux-là. Hein, oui, tu le sais que c'est tes préférés, ceux-là. Hein, d'accord. Tu vas en avoir un petit bout. Oui, 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 je... ah, il les adore, ceux-là. Avec celui-là, il te suivrait jusqu'au bout du monde, le chat. Attends, d'abord, tu vas l'avoir. Enfin, tu vas en avoir un petit bout. Mais d'abord, tu montres aux abonnés comment tu t'en vas de situation extrême. Ah, mais laisse le moucheron tranquille. Ça, ça par contre c'est un chasseur. Nasco, putain mais viens Nasco, regarde, tiens, là, la friandise. Tiens mon chat, oui mon chat, oui si c'est gros chat, oui. Vous voyez, il est pas con parce qu'il sait que je vais le piéger avec la serviette. Allez, je l'ouvre, tiens, tiens, je l'ai ouverte. Ah, il le sait que je l'ai ouvert, hein. Il le sait que je l'ai ouvert. Alors tu vas l'avoir, tu vas l'avoir, oui, mais d'abord, hop là. Ah, ici, saloperie, va. Il me fout la honte, ce chat. Voilà, regardez. Regardez. Regardez si ça, c'est pas un chat intelligent. Allez, Nasco, sors de là. Allez, Nasco, sors de là. Rien à foutre. Sors. Sors de là, Nasco. Sors, tiens. Et voilà. Il est sorti moins de 30 secondes, mon gars. Ça, ça fait 3 points pour nous, tiens. T'en as un petit bout pour le moment. Voilà. Oui, bah oui, je sais que t'aimes ça. Tiens. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait 3 points. Je vais le noter. Oui, mon chat. Oui, t'es un chat intelligent. Oui. Exercice numéro 3. Celui-ci permet de démontrer la capacité de votre chat à utiliser ses sens afin de trouver de la nourriture.
très simple. Placez une friandise sous la serviette et observez en combien de temps il va la chercher. Ah bah il va pas mettre longtemps hein. 30 secondes, 3 points, 1 minute, 2 points, il essaye mais n'y arrive pas, 1 point, il n'essaye pas, 0 point. Encore 3 points de données. Bon déjà on va l'appeler, Nasco ? Nasco, oui, mais oui, je sais, il vit en 2 secondes ce chat. Ça c'est un chat intelligent, hein. Regarde bien Nasco. Mais qui est-il gras déjà ce chat là ? Tu vois ça ? Oui, et bah tu vas la chercher mon gars. Vas-y. Vas-y. Regardez, regardez-le. Non, non, je t'ai plus. Regarde Nasco. Nasco, regarde. Regarde, tu la vois hein ? Non, mais tu la vois ou pas ? Voilà, tu l'as vu. Allez, vas-y. Regardez, regardez, regardez-le, regardez-le. Il l'a. Ouais, yes. Il l'a eu, c'est bien. Oui, j'ai dit oui, mais non, regardez, il en cherche. Il n'y en a plus, Nasco. C'est fini, il n'y en a plus. Il en cherche encore. Sors la tête de là, mon chat, il n'y en a plus. C'est fini. T'en auras d'autres peut-être un peu plus tard. Il n'y en a plus, regardez, mais finalement il est con quand même. Bon écoutez, vraiment, c'est pas parce que c'est mon chat, mais en toute objectivité, je pense qu'on est d'accord pour lui accorder 3 points. Exercice numéro 4. Pour savoir si votre chat est capable d'avoir des interactions avec vous au niveau du jeu, lancez-lui un jouet. S'il le ramène en 30 secondes, 3 points. S'il le ramène en 2 minutes, 2 points. S'il va le chercher mais ne le ramène pas, 1 point. S'il ne va pas le chercher, 0 point. Ah bah alors là, je vais aller chercher sa balle préférée. Je peux vous assurer que lui, c'est pas un chat. C'est un chien. À chaque fois que je lui lance la balle, il me la ramène au pied. C'est un truc de fou. Non, je vais vous le prouver, vous allez voir. Encore faudrait-il que je trouve sa balle. Je l'ai. Regardez comment qu'il est en position de chasse. Je sais pas si vous le voyez. Ah, regardez-moi là. Regardez-moi ça, cette petite fouine. Nasco, regardez quand je pousse les clochettes. Eh bien. Hein. Tu le sais où aller ta balle, hein. Allez, t'es prêt. Ramène la balle. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Allez, donne la balle. Donne la balle, Nasco. Allez. Faut pas trop que je l'engueule. Nasco, donne la balle. Rien à foutre. Eh franchement, par contre, on va mettre ça sur le track des caméras. On met ça sur le track des caméras, faut savoir qu'on vient tout juste de déménager. Je veux dire, le chat n'est pas encore habitué à son environnement. Voilà. C'est bien, mon chat. Aujourd'hui, tu peux être con, on a des excuses. Mais tu le fais tout le temps. Il le fait tout le temps. Attendez, on a une deuxième chance. Hein. On a une deuxième chance quand même. Hein. Regarde, t'es prêt? Va chercher. Regardez-le quand il a glissé de l'autre côté, il va la ramener. Rien à foutre. Nasco, je suis ici. Nasco. Je suis ici, Nasco. La balle, putain, mais il est passé avec en plus. Bon écoutez, je pense qu'on peut lui accorder 2 points. Bon, tu t'en sors pas mal, mon chat, ça va. Exercice numéro 5. Le dernier exercice sert à tester la mémoire de votre chat. Placez 3 gobelets à l'envers, l'un d'eux contenant la fameuse friandise. Sortez de la pièce avec votre chat environ 30 secondes et quand vous revenez, voyez le temps qu'il met à marquer le bon gobelet. Ah non mais attends, mais on n'a jamais joué au bento, ça il va jamais y arriver quoi. S'il le marque du premier coup en moins de 2 minutes, 2 points. Il le marque en moins de 2 minutes mais il a marqué d'autres gobelets avant, 1 point. Il ne la trouve pas ou ne la cherche pas, 0 point. Alors là, bon, écoutez, je sais pas. Ça va être une grande première. Mais sur ce coup-là, j'y crois moyen, mais on va essayer. Hein. Je vais prendre un bout de sa friandise. Ah bah le voilà déjà, mon gars. Il réplique en 2 secondes dès qu'il entend ça. Oui, je sais, je sais, je sais. Attends, Nasco. Allez, viens, on sort de la pièce, regarde. Tu le vois? Est-ce que tu le vois? Oui, il est là. Oui, regarde, regarde, Nasco. Nasco, regarde, regarde. Tu le vois? Il est là. Voilà, oui, il est là. Allez, viens, on sort de la pièce. Voilà. Attends, ah bah il veut déjà y retourner mon gars. Allez, ça fait même plus de 30 secondes parce que j'ai été me laver les mains. Alors Nasco, oh il l'a grillé direct mon gars. Regardez, regardez. Ouais, c'est bien mon chat. 3 points. Enfin 2, c'est le maximum. Regardez, attends Nasco, regarde. T'es prêt Nasco? On joue au bento. Regarde. Elle est où? C'est bien mon chat. Attends, on recommence. On joue bento. On joue bento. Elle est où? Il la regarde. Elle est où? Ouais. Il est très fort hein. Il est très fort. Ça c'est un chat qui est très intelligent ça. Bon écoutez, sur ce coup là je pense que c'est 2 points gagnés haut la main hein. On l'a même fait 2-3 fois. Et direct
Non, il y en a plus par contre. Il y en a plus, cherche pas. Il en cherche d'autres là. Donc, 2 points, exercice numéro 5, c'est noté. On va faire le total des points. Donc, 2 et 3, 5. 5 et 3, 8. 8 et 2, 10. 10 et 2, 12. Entre 13 et 10 points, un génie félin. Waouh, impressionnant. Bon, et bien écoutez, c'est un génie félin. Je n'en doutais pas une seconde. Entre 9 et 8 points, un très bon élève. S'il se concentre, il sera amené à faire de grandes choses. Entre 7 et 4 points, un chat banal. Mais j'en suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, il deviendra extraordinaire. Entre 3 et 1 point, je ne pense pas, je miaule. En tant que maître, ne soyez pas exaspéré. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le temps de dresser votre chat. Si, si, je vous jure, c'est pas réservé aux chiens. Et je suis sûr qu'il gagnera beaucoup de points la prochaine fois. 0 point, vous êtes sûr de ne pas avoir testé une serpillière. Cas désespéré. N'hésitez pas vous aussi à faire l'expérience chez vous si vous avez des animaux, que ce soit des chats, des chiens, des poissons. Ou par contre, n'allez pas recouvrir la tête de votre poisson avec une serviette de bain, ça risque d'être chaud. Et bien sûr, je vous invite à me partager tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, la totale. Tout est dans la description. Je vous dis à bientôt et ciao tout le monde, bye. Regardez, vous il est juste derrière. Hein. Il est là, hein. Let's go. Mais... Oui. Allez, viens. C'est fini la vidéo là. Viens. Oui.